Et là-dessus, vous et votre parti, vous êtes curieusement muets. Ou gens concernés. Ce petit tweet. Donc, il n'y a que les juifs qui sont concernés quand on les attaque. Patrick Lucas, répondez à cette simple question. Il y a des catholiques qui pourraient s'y mettre. Répondez à cette simple question. Vous dites, vous êtes juif? Pardon, il est avocat, il est avocat. Non mais d'accord, moi je vous dis... Il a vu le temps qu'il prend. Non, je réponds pas. Moi je vous dis que si tous les catholiques sont mis en cause dans leur faute, dans leur origine, qu'est-ce que vous faites contre les femelles? Les femelles, je les défends. Ah, oui, tiens, vous voyez, il défend les femelles qui viennent casser des choses dans les églises, qui viennent insulter le catholicisme. Mais pas aux chrétiens. Ah elles bon se prennent pas à la foi. Quand vous rentrez dans un lieu de culte, ça n'a rien à voir. Patrick, vous faites que de. Je peux vous lire ce tweet. Vous faites de la confusion partout. Et vous ne répondez pas quand on vous appelle sur votre parti. Vous venez de vous vendre là, maintenant. Attention à vos propos. Vous venez de vous vendre sur le fond de votre pensée. Mais le fond de ma pensée, je vous la livre. Et je pense que quand ça concerne les chrétiens, là, ça vous intéresse pas. Ça m'intéresse absolument. Si, je le vois. Vous venez de me le dire là. Vous venez de me le dire. Mais vous, dès que ça concerne les juifs, ça vous met mal à l'aise. Pas du tout. Du tout. Oh, mais pas du tout. Patrick, c'est aux juifs de se défendre, c'est pas moi. Patrick Lucas, c'est moi. Moi, je vais vous dire, c'est quelqu'un qui t'attaque. Mais il y a des lois. Excuse me. French people are warning themselves why the women are attacking Christian interests, Muslim interests, but not Jewish interests. Is there a relationship between the fact that you advocate is Zionist, that you don't attack Jewish interests? Monsieur, excusez-moi, vous attaquez un auxiliaire de justice, vous voyez? Parce qu'ici on est en démocratie, et sous la robe, on voit un avocat. Si vous voyez autre chose que ma robe d'avocat, vous répondrez de vos propos, cher monsieur. Quel est votre nom? Quel est le problème? Quel est votre nom? Et pourquoi? Pour quel média vous travaillez? Cercle des volontaires. Cercle des volontaires, et votre nom c'est quoi? Vous n'assumez pas? Si. Mais vous n'assumez pas d'être ancien président de l'UEJF? Je suis ancien président de l'UEJF, aujourd'hui je suis avocat. Lié au CRIF, etc. Non. Moi j'ai aucun problème, mais apparemment vous avez un problème à donner votre nom. Ah, le courage! Bah, moi d'hab, c'est mon nom. Mais vous le savez, parce que vos amis de la LDJ sont venus poser une bombe sous ma voiture. Beaucoup de réactions sur Twitter, effectivement. La photo, vous la voyez, elle a été postée sur le compte des Femen. On y voit cette femme qui se trouve donc à l'intérieur de l'église de la Madeleine à Paris. Faire un appel aux dons afin que nous puissions poursuivre le développement de notre mouvement, car nous avons besoin de fonds pour cette révolution des femmes. Et j'accepterai des fonds de n'importe qui, même du diable, pour développer ce mouvement du féminisme aujourd'hui.